Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, ben c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant sur ce banc et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Il y a un vrai débat qui a lieu sur les réseaux sociaux en ce moment. Et c'est cette affaire de payer sa dîme. Certains chrétiens disent qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de payer la dîme. Parce que c'est révolu. Ça appartient à l'Ancien Testament. Et que dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas. D'autres chrétiens disent, ah, il est préférable de payer sa dîme. Car cela est injuste. Il ne faut pas voler Dieu. Et moi aussi, je crois en Dieu. Je crois à la parole de Dieu, sérieusement. Je fais partie des personnes qui croient que la parole de Dieu, ce n'est pas là pour rigoler avec nous. Si je fais partie des personnes qui pensent que ce n'est pas de la blague et qu'on ne rigole pas avec ça. Et pour moi, tout le commandement de Dieu a une raison d'être. Et tout ça, c'est un sens. Et tout ça, c'était fait pour nous. Toutes ces choses ont été faites pour nous. Et moi, je pense que comme la loi, nous devons l'appliquer. Nous devons obéir à tout ce que Dieu nous a dit. Et les gens discutent. Les gens même parlent beaucoup. Et même ils parlent de rien, de tout et de rien. Et ils sont maintenant arrivés sur l'affaire de l'argent. Sérieux. Quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que Dieu lui-même dit? On parle de prémices. On nous parle d'un dixième de tous nos revenus. Mon frère, si tu as ton argent de fin du mois, tu en as le 1/10 pour donner à quelqu'un qui a faim, qui est dans la rue, même un SDF, même à l'église de Dieu, toi, ça te fait quoi? Dis-moi! Hein? Tu as donné le 1/10, tu as donné à un SDF, un sans-abri, si tu veux savoir. Avec le gars puisse juste manger un truc le matin. Ou bien tu as donné à l'église de Dieu pour que la nourriture ne manque pas de l'église. Toi, ça te fait quoi? Même les païens le font. Il y a appris même qu'il y a une star aux États-Unis là-bas. C'est ça là, son travail c'est de payer la dîme. Quand tu lui parles de Jésus, elle dit non, laisse-moi tranquille. Votre affaire de Jésus, je ne suis pas aidant. Prenez votre argent et puis laissez-moi tranquille. Parce que elle sait que quand elle paye sa dîme, il y a des choses quand même qui se passent. Même un œil sataniste ici a parlé de ce genre de choses-là. Ce sataniste a dit que quand on paye la dîme, vraiment, on honore Dieu. Oui. On honore vraiment Dieu. Et Dieu même peut passer même par là même pour faire beaucoup de choses même pour nous que on ne peut pas comprendre facilement. Et quand une personne paye sa dîme, vraiment, ça ouvre beaucoup de portes pour la personne. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Maintenant, les gens discutent beaucoup. Moi, je me demande même si les gens même là, est-ce que c'est pas parce que dans la vie de bouffer l'argent de Dieu mais qui font ça? Est-ce que les gens qui sont avares, est-ce que c'est parce que vous êtes dans la vague, vous êtes avares? C'est quoi ça? Bon, laissons tout ça. Vous dites que la dîme s'est révolue. Est-ce que et qu'on n'est pas forcément obligé de payer la dîme? Ok. Maintenant, et si tout le monde meurt et puis qu'on l'a fait venir, le jugement dernier est arrivé? Et Dieu nous dit ouvertement que nous l'avons volé. Parce qu'on ne payait pas sa dîme et les offrandes. Qu'est-ce qu'on va lui dire là-bas maintenant? C'est comme il y a certaines personnes qui disent, oh, vous savez, Dieu n'existe pas. Ce sont les choses de la nature. C'est la nature qui a créé tout ça. Regardez. Tout ce que je trouve autour de moi. Non, Dieu n'existe pas. Vous savez, ce sont les trucs de la nature.
Donc, vois les arbres, dit, tu sais, les arbres qui sont là, ce sont les choses de la nature. Et que lui-même, il est naturel. Il n'y a pas de souci. Tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en rien. Il dit même qu'il est athée. Lui, sa religion, c'est l'athéisme. Maintenant, et si toi tu meurs et que tu te rends, tu te rends compte que finalement, ce que tu étais dit, c'était même de la blague et que c'était faux. Qu'est-ce que tu vas même faire? Qu'est-ce que tu vas même dire maintenant? C'est là maintenant les gens vont dire, si je savais, si je savais. Mais si je savais, elle est partie depuis. Il t'a même laissé une lettre pour te dire au revoir. Et là, c'était de rigoler avec Dieu. Hein. Les gens sont même montés de rigoler avec Dieu même depuis. Vous rigolez avec Dieu. La parole de Dieu est là, vous passez à côté. Dieu est ici, vous allez à toi, à l'autre côté. Mais quand il s'agit d'aller dans les maquis, vous faites ce qu'on appelle le boucan, jeter de l'argent sur les femmes. Les grosses bouteilles, payer les grosses bouteilles. Là, vous êtes numéro 1. Là, vous êtes premier. Mais quand on parle de la parole de Dieu, vous dites, laissez-nous tranquille, vous, on ne sait pas de quoi vous parlez. Les gens me font des trucs bizarres souvent. On nous parle de Black Friday le 22. Vous allez voir comment les gens seront même chauds pour aller même là-bas. Ils sont même chauds. Regardez même ce que les filles sont en train de faire. Elles courent comme ça. Et elles vont s'acheter des trucs très chers. Les pommades très chères, les parfums vraiment très chers. Mais quand il s'agit de venir à l'église, on dit donner de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les gens sont en train de parler. Ah, vous là, c'est moi, vous passez votre temps à demander de l'argent. Vous là, vous voulez nous escroquer. Toujours la dit mon père, je ne vois rien. Tu veux voir quoi, ma soeur? Tu veux voir quoi, mon frère? Qu'est-ce que tu as dit que quand tu payes la dîme, c'est pour attendre quelque chose en retour? Qui t'a dit ça? Regardez. Nous sommes des vêtements, donc vous faites du bruit. Après, c'est pour ne pas payer votre dîme. Qui vous a dit ça? Mes frères et sœurs, c'est pas de la blague, pas de la rigolade. Si Dieu n'existait pas, on ne parlerait même pas de certaines choses. Quand tu donnes, tu soutiens l'œuvre de Dieu, ça te tombe bien. Parce que après, là, Dieu va te demander des comptes. Quels sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu as fait du coup ta vie sur la terre? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu vas utiliser même pour parler? Ceux qui paient la dîme, leur dîme. Ils vont dire, ok, Seigneur, tu sais, la dîme, c'était déjà ton argent. Mais nous avons fait ce qui est juste. Nous avons été vraiment obéissants. Et nous avons enlevé le 1 dixième de tous nos revenus à chaque fois pour te dire merci. Juste ça. Je veux dire, ah bon, c'est ce que vous avez fait. Ah, c'est vraiment bien. C'est bien. Parce que ce sont vos œuvres, ce sont nos œuvres là, qui vont nous amener quelque part. Si vous voulez savoir les sorciers là, chaque fin d'année, ils se réunissent quelque part pour se faire le chou. Ils font le chou là-bas. Et quand ils arrivent là-bas, là, ils apportent des présents. Pendant que vous êtes là-bas en train de rigoler, en train de discuter, est-ce qu'on doit payer la dîme, est-ce qu'on doit faire ça? Eux, ils sont sérieux de ce qu'ils font. Hein? Ils ont des sacrifices. Même, ils envoient la tête des gens là-bas, qui donnent le diable en sacrifice. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas que la dîme et les offrandes sont les choses qui ont été instituées même par Dieu. Enfin, ce que Dieu te demande, c'est tout. Si tu en es le 1 dixième de tout est revenu. Tu donnes à Dieu, ça va rien même t'enlever. Tu as même eu la possibilité même d'être riche. Tu as même eu la possibilité d'être riche. Même si tu n'es pas riche.
Et que tu as le juste nécessaire. Fais ce qui est juste. Et ça va parler pour toi. Même des gens dans le monde, vous voyez même les artistes chanteurs. Quand ils doivent aller faire un concert, faut le voir, c'est lui qui sera même le premier à aller faire des dons dans les orphelinats. Ah, il a son concert, il va aller faire un don dans les orphelinats. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il a été cherché? Il cherche la bénédiction de Dieu. Il veut que Dieu l'accompagne. Oh, il faut les connerie, mais il veut que Dieu l'accompagne. Il sait que les enfants sont purs et que Dieu aime beaucoup les enfants. Il veut faire ce qui est bon afin que Dieu vienne à son aide. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Mon frère, si tu veux savoir, moi je peux m'a dit matin, midi, soir. Je ne vais jamais te dire comment ça se passe. Mais je vais juste te dire, mon frère, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Père t'a dit que tu es obéissant et que ça compte toujours pour toi. C'est pas tout, papa Chenier.